Romain, vas-y, allez, bon, ça fait mal. Oh merde. Vise le goal, et non de tout. Le Paul Philippe, papa de trois enfants, dans l'aîné c'est Romain. Et ça c'est du hockey ça, hein. Premier match que j'ai vu, c'est à Montrue de l'époque de Youth Sprinters en 68, donc j'avais 8 ans. Allez, match du deuxième quai, du début du deuxième quai. Regarde ça! C'est gros comme une maison, ça se voit quand tu connais un peu le hockey. On suivait les matchs à Chaux-de-Fonds. Puis après, j'ai eu la période de Gosselin aussi, c'était une idole à Chaux-de-Fonds, qui est allé jouer aussi à Bienne. J'ai suivi un peu Bienne, puis après, il y a eu les années Gauthieron, quoi. Vas-y! Oh, bordel, notre Dieu, t'as fait chier! Mais ils ont casé une maison, allez, Glenn! Pour moi, je ne peux pas vivre sans hockey. Je vis ça, moi, si je pouvais vivre le hockey 12 mois sur 12, moi, il y a un an, c'est comme une drogue. Moi, dès que la saison s'arrête, il y a un manque en moi. Power play pour Gelet. Oh là là, chaud bouillant. C'est sévère la pénalité là, non? Pendant 2-3 heures de temps, voire une journée, vous oubliez s'il y avait des problèmes au boulot, à la maison, aux jeunes saisons, s'il y a des problèmes du quotidien, ben, vous arrivez là, ben, vous oubliez tout. Sandwich comme d'habitude. Ah mais c'est un rituel, ça c'est des sandwichs maison. Ça c'est moi qui les fais, c'est pas la... Ah ben ouais. Ah, ils ont pas acheté, hein. Romain, s'il est bon, ok, c'est grâce au sandwich. Ouais, c'est pas un sport de tapette, hein. Normalement, j'amène toujours des cacahuètes puis des mandarines. Mais la dernière fois, j'ai fait tellement de bordel qu'on m'a regardé avec des yeux tout noirs que j'ai compris qu'il fallait plus trop le faire. C'est un peu trop gardé ici. Les gens, ils peuvent pas arriver à l'heure, bordel. Non, mais c'est incroyable, ça, moi, j'ai un fou. Hein. Moi, ici, de voir un match de hockey, même dans le pub, avec des coupes de champagne, moi, j'aime pas ça. Moi. Le hockey, c'est une bonne bière, c'est festif, quoi. C'est un cocktail Molotov, c'est spécial Chaux-de-Fonds. Quand je bois ça, il gagne. Allez, jeune, ça, c'est jouissif. C'est mieux que tirer un coup. Ah, ça, vous pouvez faire. Coupez. Personnellement, oui, je l'appelle juste pour lui souhaiter un bon match ainsi que pour l'équipe, mais c'est pas une obligation. Mais il sait que je suis là. C'est Romain qui se met hors-jeu, au milieu. Ah bon. Il fatigue trop vite. C'est grand début d'hockeyeur, c'est de la détailler. C'était une des premières fois où c'est qu'on l'a vraiment mis avec des patins. Là, il y a quelqu'un parmi là, des milliers de personnes qui nous ont abordé, qui nous ont tout simplement dit « Non mais votre fils, il a des qualités de patineur, est-ce qu'il joue dans un club ?» On a dit « Non. Ah ben, il faudrait vraiment le mettre dans un club. » Il a commencé au point de Martel. Oh, Romain. Yes. Dieu. Elle est déviée. Pas important. Pour moi, la plus grande fierté, c'est de rester comme il est. J'espère qu'il restera comme il est, de savoir d'où il vient, avec des vraies valeurs, le respect, l'humilité. Le sport élitaire, c'est un sport égoïste, quoi. Il faut, son problème chez lui, c'est que c'est comme son frère. Il n'aime pas trop se faire mal, quoi. Il est presque trop gentil. Pour d'équipe, il faut jouer avec quelques copains un peu. Hein. Quand il se blesse, il a fait sorte que je suis aussi blessé. Moi. Ça commence, c'était censé durer une semaine, et là, durer 9 semaines. J'allais voir les matchs, mais c'était plus la même chose. Depuis 7 ans, en tout cas, qu'on soit à la fin de chaque partie. Il est toujours très encourageant, il est assez répétitif, mais ça fait toujours plaisir quand même. Tu sais, apparence, tu sais, quand tu perds 7 à 2, bien 1-0 en play-off, ça revient au même. Hein. C'est pas facile à trouver les mots, mais on va en parler demain tranquillement après qu'il ait revu le match toute la nuit, je pense. Donc on verra ouais. Ça demain, mais c'est vrai que... Non, j'ai de la chance d'avoir... J'ai vraiment de la chance d'avoir des parents comme ça derrière moi, où c'est qu'on a vraiment une ambiance familiale extraordinaire. Non, mais c'est...